Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Dead Rising 4. Cette moustache les amis, cette moustache mon dieu, elle est terrible, il manque le cuir. Dès que je trouve du cuir, promis, on va attaquer. Oh là c'est terrible, je suis en sueur, sur ma vie les gars, là à l'heure actuelle je suis en sueur. Bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour la suite de Dead Rising 4 comme vous le voyez, comme je vous ai dit, en plus tout est écrit dans le titre. Et bah, les gens se sont relevés, d'accord, donc les zombies se sont relevés, tout va bien. Je vous avais arraché hein, l'épisode précédent, mais bon, pourquoi pas, why not. Eh, c'est une invasion zombie, d'accord. Donc on peut dire que certains ont trouvé l'issue, bien évidemment, pour escalader le toit et venir par là. Oh, c'est des méchants. Ah bah d'accord. D'accord, c'est la fin. Ok, cette hache et... Oh la vache, les mecs, calmez-vous. Attends, on va calmer ça tout de suite, très très vite. Calmez-vous instantanément, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Bref, on peut pas discuter, c'est terrible. C'est terrible. On s'approche chaque week-end de plus en plus de Noël. C'est quand même incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez personnellement, mais moi, je trouve ça juste incroyable. Et forcément, qui dit on s'approche de Noël, dit un petit peu d'humour. Je sais que vous voulez voir des cadavres, des trucs quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai cru que c'était un lance-roquette, j'ai failli faire un arrêt. J'étais pas prêt, j'étais clairement pas prêt, les mecs. Je sais que vous voulez voir du sang, des cadavres. Oh, il y a Snoop Dogg contre le mur. Mais il est encore là, ce con. Mais qu'est-ce que tu fous là, frère? Les gars, on dirait un rappeur. On dirait un putain de rappeur, c'est terrible. Bref, j'ai réussi à trouver un Snoop Dogg, je suis assez content. On va aller voir le psychopathe. Donc comme je vous disais, je sais que vous voulez voir des effusions de sang, que vous voulez voir énormément de chair voler, des têtes et tout. Mais, on s'approche de Noël, il faut un petit peu d'humour. Voilà pourquoi, en ce beau dimanche, au lieu de vous proposer cet épisode 4, j'ai préféré tout simplement vous proposer un best-of. C'est incroyable, allez-vous me dire, c'est incroyable. Donc on va aller voir le psychopathe à pied, parce que miskin, j'ai pas de moyen de locomotion, hein, j'ai niqué le seul moyen de locomotion que j'avais. On va aller voir donc calmement notre frérot psychopathe, on va essayer de s'en occuper, il me reste mon crack, bien évidemment, on va voir ce que ça donne. Mais avant cela, j'ai aussi des points de compétences à m'attribuer, bah ouais, eh, on va s'attribuer des points de compétences, donc on va se les mettre tout de suite, hein. T'aimes bien quand je dis on va se la mettre, donc on va se la mettre, on va se les mettre, parce que j'en ai 5 bordel. Bah, plus on est fou, plus on rit, les mecs. Et on est parti. Donc, dans tir, j'en ai qu'un seul. C'est terrible, c'est terrible. On va monter un petit peu parce que miskin, moi-même, j'ai de la peine. Ça va pas du tout, les gars, ça va pas du tout. Augmente le chance de coup critique, donc avec fusil à pompe, mitraillette et pistolet. C'est quoi en bas, là? M'a l'air intéressant, ce petit truc-là. Je peux pas y aller. Ah si, je peux y aller. Alors, chaque coup tiré avec une arme à distance a une petite chance de ne pas consommer de munitions. Ça, les mecs, ça, c'est le feu. Ça, je prends. Sa mère, l'hippopète. C'est génial. Je prends. Je prends directement. Directement. Et indirectement. Je prends quand vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne le pistolet. Alors, écoutez. Alors, actuel, on est dans une démocratie, n'est-ce pas, italiano-russe. Donc, on va partir sur le pistolet. C'est ce que j'utilise le plus souvent jusqu'ici. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on s'augmente la vie. Et plein d'autres choses assez sympas. Alors, déjà la vie. Augmente la vie de 50. C'est plutôt pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais m'attribuer un point dedans. J'hésite à m'en attribuer un deuxième. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi ça? Augmente l'endurance. C'est pas mal ça, non? Allez, on va augmenter notre endurance aussi. Je trouve ça cool. Réduit les dégâts subis en cas d'attaque au corps à corps. C'est pas mal ça. Ah mais c'est terrible. Ah, je pense réellement que je vais mettre beaucoup de points dans la résistance, parce que c'est notre personnage, vous voyez ce que je veux dire. Faire des dégâts, c'est bien, mais si gros t'as la vie d'une fourmi, t'es pas frais, tu vois ce que je veux dire. Et ça fait quand même deux fois de suite que je dis tu vois ce que je veux dire. Maintenant ça fait 3, tu vois ce que je veux dire. Maintenant ça fait 4, bref. Cessons les sinagrés, comme disait ma grand-mère. On est parti, on va aller voir le psychopathe. Alors attendez, parce que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Autant vous voulez que je vous montre tout, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Autant si le mec il a 4 km, non, ça va, il est en face. Ça va, j'ai été mauvaise langue. Mister B-Boy, il faut savoir fermer sa gueule. Je dis oui. Alors, vous connaissez le tout nouveau système YouTube. Nouveau système qui date pas d'hier et qui date encore moins d'aujourd'hui, hein, puisque ça ne date pas d'hier, vous aurez compris. Il faut mettre des gemmes quand vous voulez soutenir votre frérot. Moi, je suis votre frérot, vous êtes mes frérots, donc faut me soutenir. Il faut que vous bombardez le like, réellement. Réellement, ça va m'aider. Alors oui, ça va me faire plus d'argent, sans doute. Parce que ma vidéo, pardon, sera plus vue et donc mieux répertoriée. Mais
en dehors de tout ça, voilà, tu vois, faut aider les frérots dans le besoin. Bref, mettez des petits likes, ça fait extrêmement plaisir, ça encourage réellement. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est, ça joue au like près, frère. Tu vois ce que je veux dire? Si je vois par exemple 3000 likes, mais que d'un coup je vois 3001 likes, je me dis que ça a tout changé. Je me dis que c'est un pas de plus vers une avancée incroyable, d'accord? Donc faites cet effort. On est parti les potes, et on a une bonbonne de propane. Ok, on a des soins. Donc là, il nous prépare à une grosse bagarre. Mais moi, j'ai mon Krark, je ne crains plus rien. Ah, j'ai un générateur. J'ai rien qu'utilise le générateur et la bouteille de propane. Il me semble pas avoir de plan. On est parti les mecs, je sais pas du tout qui c'est. Frérot. Non mais sérieux ! L'hiver est cruel, c'est un froid d'un seul. C'est le jour de Noël, mais Franck est tout seul. Bienvenue dans ma grotte, Franck West. Es-tu prêt pour le jugement ? Drago en peluche ? Ah ! Putain, je rêve. Allez, dégagez. Rentrez à la maison, le mec. Tu viens dans cette ville, tu craches sur nous. Tu pilles ces histoires pour t'en mettre dans les poches. Tu en veux toujours plus, n'est-ce pas ? Non. Non, non. Ah ! Ah ! Toi qui pensais que les zombies étaient des connards. Ah ! Ah ! Laissez-moi tranquille. Je voulais faire mon combo, s'il vous plaît. Laisse. Mais pourquoi en plus ? Mais moi, t'as un fusil, c'est un jouet que t'as dans les mains. Tu moissonnes les nouvelles. Oh. Tu récoltes ce que tu aimes. Oh non. Attendez. Il me faut un putain de paquet cadeau, il y en a plus, tout s'est détruit. J'ai envie de chialer. Ok. Tu veux jouer à ça ? Tu veux jouer ? Eh ben on va jouer mon pote. Eh putain, oh là là, mon truc gelé a disparu. Ah ! C'est quoi ? Un Père Noël ! Il est incroyable ! Ah ! Joyeux Noël les mecs ! Hop, j'ai essayé de me relever, ça n'a pas marché. C'est un échec les amis. Allez, ça dégage. Hop, voilà. Tu vas recevoir bien plus que du charbon. Allez. Je vais t'ouvrir. Allez, tu dégages. Tu dégages, t'es mignon, tu vas rien briser du tout. Oh. Ah, j'y crois pas. Même le Père Noël est impliqué. Ça va trop loin. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ouais, je pense pas que je parlerai de ça dans mon livre. Même le Père Noël est impliqué. Maniaque vaincu ! 4000 PP, c'est incroyable ! On a vaincu le Père Noël, les amis ! Putain ! On aura donc plus de Noël, mais c'est terrible ! C'est terrible, vous inquiétez pas, il y a des Pères Noël partout. J'en connais plusieurs, les gars, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il reviendra. Il reviendra, j'ai confiance. Par contre, bah moi, je voulais un paquet cadeau. Je voulais un paquet cadeau et ça m'embête. Eh, le Krark, vous l'avez vu, hein. C'est vraiment abusé. Je voulais un paquet cadeau et ça m'embête parce que il n'y en a plus. Ils se sont pétés sous ma force totalement incroyable. Ah, peut-être là-haut, parce qu'en plus, j'ai mon... Oh, trop bien. Yes, dépôt de bus. Allez, je prends. En plus, ça fait un niveau supplémentaire. C'est plutôt worth it sur le coup. Là, il n'y a pas des petits paquets cadeaux. Voilà. Il a bougé tout seul. Wow ! C'est incroyable ! Je ne sais pas pourquoi je crie. Maintenant, pour combiner, je peux faire un Krark. Oh putain ! Avec l'huile de moteur. Donc, je peux combiner avec des trucs au sol directement. Alors, que ça marche. Pour les véhicules, je le savais. Mais pour ça, my god, baby. Ok, putain. Donc j'ai un nouveau Krark. Oh là là, je suis bien. Oh les gars, je suis heureux. Ah, je suis heureux, hein. Je suis heureux les mecs. Qu'est-ce que vous voulez? Il en faut peu. Il en faut peu pour être heureux. Hache électrique. Est-ce que c'est pas ça que j'ai laissé par terre par hasard? Par pure mégarde? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était un nain. Enfin, un lutin. D'accord, très bien. Bon, c'était... J'ai piqué l'arc au lutin, mais en échange, il est vrai que j'ai quand même perdu mon arc à moi. Et ça, c'est chiant. Mais vous inquiétez pas, j'ai une technique ancestrale. Oh, tronçonneuse, sa mère. Attendez. Oh putain, je peux rien porter quasi. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Quand tu es manipulé par le décor comme ça. Oh, c'est terrible. Ok, je prends des bouteilles d'eau. J'en prends une autre. On n'a jamais assez d'eau. Je vais prendre une bouteille de propane. Ok. Qu'est-ce que je peux faire de cool? Qu'est-ce que je peux faire, les gars, de cool? Alors, attendez, bougez pas. Vous savez que je prends énormément mon temps parce qu'on aime la vie. Ouais, les gars, on va abandonner le jouet. Hein. Une tronçonneuse,
Sur ma vie, c'est méga worst. Les gars, sur ma vie, ça va être méga frais. Direction notre objectif principal. On a perdu assez de temps comme ça. Je retrouverai sûrement des paquets cadeaux bien plus tard. Pistolet à clous, ouais, pour l'instant, on peut rien faire avec. Je vais prendre... Bah tiens, je vais prendre, vous savez quoi? On va prendre la hache électrique, histoire de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, direction notre objectif principal. Est-ce que je me dirige vers la bonne voie? Oui, c'est incroyable. Et on va en revenir à nos gemmes, le temps d'aller là-haut. Parce que vous m'avez dit, Mr. B-Boy, écoute... Je te kiffe, t'es mon youtubeur préféré. Si je pouvais te sucer tous les soirs, je te sucerais. Ce que je comprends parfaitement, si je pouvais me sucer tous les soirs, je me sucerais. Et vous étiez là, Mr. B-Boy, un peu moins de cut. Voilà. Là, t'es américain, on t'aime bien, y a pas de souci. On t'aime bien, je vous aime bien. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de cuts. Donc vous en voulez moins, et ben on va faire un épisode sans cut, tout simplement. C'est moi qui arrive. Allez, toi, ça dégage. Hop, les gars, vous dégagez. On va pas commencer à tergiverser tous ensemble, hein, ça serait dommage. On va tuer le dernier psychopathe. C'est sympa qu'il y ait des psychopathes comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des psychopathes. C'est des gens pas si méchants. Oh, je peux faire un truc doux. Vous êtes prêts? Ça va être terrible. Et boum! La puissance de Thor! Oh la vache! Même la voiture n'était pas prête. C'est incroyable. On continue. On arrache pour ça, parce que j'aimerais toujours fouiller cette putain de voiture. Que je ne peux pas prendre, ça me vexe. Faut partir, monsieur. Hop, donc on va fouiller. Hop, non, madame. Oh, oh putain, elle me voulait. Hein. Elle avait faim. Hein. Ah, elle voulait me bouffer. Hein. Ça, c'est une évidence. Je la connais. Je sais pas. J'ai dû la rencontrer quelque part dans un salon de coiffure. Elle voulait m'arracher. Allez, dégagez, les gars. Donc, je vous fais un épisode totalement sans cut. Si c'est votre épisode préféré, mettez un like sur les 4. Hein, parce que je vous fais confiance. Vous avez forcément vu les 4. Si par contre, au final, vous dites, oh, Mr. B-Boy, je regrette un peu ce que j'ai dit. Ah, des fois, je suis con, tu vois. Ça arrive, je vous en veux en aucun cas. Et ben, si vous regrettez ce que vous avez dit, vous me le dites et on repart sur quelques trucs. Hop, tu dégages. C'est vrai que son cut, c'est du naturel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je peux dire, Prout, oh, j'ai pété. Bon, j'ai péto d'ailleurs. J'ai péto. Et hop, voilà, j'ai réussi à l'esquiver. Je suis une machine, je sais pas comment. Et il n'y a pas eu cut. Donc, la gaffe est sortie. Hein, Vincent, la gaffe. Bref, on va arrêter ces jeux de mots de merde. Alors, faut savoir que j'ai pas beaucoup dormi. Ça peut expliquer pas mal de choses, d'accord, dans mon comportement. Mais on va se calmer, s'il vous plaît. Là, on va longer. Hein. Vous avez vu, ils aiment pas trop les trottoirs. D'ailleurs, on va même courir un peu. Eh, j'ai 25% d'endurance en plus. Faut en profiter, hein. Faut pas lâcher le morceau. On est large. Là, on est à la moitié de la barre. Ah, je vais peut-être encore l'augmenter. C'est pas mal, ça. Hein. Les 25%, tu les sens, bébé, hein? Ah ouais, on les sent pas mal, hein. Ok, on y est presque, les gars. Donc, oh, un grand centre commercial. J'ai gardé la pluche ou pas? Non, j'ai pas gardé la pluche, voilà. Des fois, je fais des choses totalement bêtes. Et c'est terrible. J'ai pas gardé la pluche, c'est dommage parce que... Hein, une petite voiture, c'est énorme. Mais je peux la prendre? Mais c'est énorme! Allez, roulez jeunesse! Cherchez un moyen de locomotion, c'est type A, les gars! Bon, il n'y a pas de plan. Ou alors, il faut que je parle peut-être à un vendeur pour qu'il me dise où sont les plans d'à côté. Alors, faut savoir qu'avec la petite voiture, j'arrive à déplacer Quelque chose a dû les faire fuir. C'est terrible. C'est terrible, on va voir ça tout de suite. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je peux plus sortir? Mais non! Oh, j'ai eu la peur de ma vie. C'est quoi ça? Raygun? Il me faut l'exosquelette. Oh mon dieu! Oh mon dieu, un lance-flamme. Alors ça, à mon avis, Raygun plus lance-flamme. Oh putain, gros, t'es dans Halo 5, t'es pas bien. T'es pas bien, ça part en plus super vite. Ok, mon objectif est là. Mais c'est verrouillé, c'est terrible. Donc on va aller à l'étage. On va voir ce qui s'y passe. Là, découvrez ce qui s'est produit. On va découvrir ça avec plaisir, volontiers, n'est-ce pas? Mec, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est produit ici, s'il vous plaît? Oh! Un plan! C'est incroyable! On va pouvoir le faire! La poinçonneuse! Il faut un ordinateur. D'accord. Et... il faut... un ordinateur. Donc on va le prendre, bougez pas. Non, hop, ça je vais le garder. C'est vrai que le Noël qui pue, c'est pas méga ouf. Hein. Noël qui pue, j'aime pas. Hein. Hop, on va lancer ça là-haut. Non, tu veux pas. C'est dommage. Non, hop. Non. Non! Ah, oh, c'est terrible. Non! Oh putain, bah c'est... y a tout qui part en couille. Ah, mais c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je deviens manipulé.
Ok, c'est bon. C'est bon, on va la récupérer calmement. Donc, les gars, je suis désolé, j'ai totalement perdu. Vous voyez comme quoi c'est bien les cuts, hein, des fois. Hein. Ok. On prend donc le PC. Je vais y arriver, les mecs. Voilà, j'ai un ordinateur dans les mains. À tout moment, les gars, ça peut partir en couille très vite. Parce que forcément, vous étiez nombreux à me l'avoir... Oh la vache. Vous étiez nombreux... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez nombreux à me l'avoir dit. Attendez. Je peux pas fusionner. Je peux pas fusionner. Par contre, là, vous êtes prêts? Je peux... Pourquoi je peux pas fusionner? Est-ce que vous êtes pas foutu de ma gueule? Peut-être un ordinateur comme ça, non? Wesh! Ouais! C'est un mélange de ouais et de wesh! Je peux! Je peux, c'est génial! J'ai fait une poinçonneuse! C'est terrible! Le Père Noël corrosif est nul, hein. Mais bon, je le prends, hop, c'est Noël. Le mec, il se contredit total dans toutes ses vidéos. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des parts de pizza, quelqu'un veut, les gars? Servez-vous, hein, ça doit faire juste quelques mois qu'ils sont là. Ça doit être ouf, hein. Ça doit être ouf. Ok, on va garder ça. Ça doit être genre vraiment ouf. Voyons ce que contient cette caisse. Un exosquelette. Un putain d'exosquelette. Et j'ai pas encore amélioré. Ok, la quête va être rapide. Je vais voir si je peux pas améliorer tout de suite. Ça peut être dans quoi? Dans survie, vous pensez? Améliorer l'exosquelette? Augmente le délai de réinitialisation de compteur de coups. Très bien. J'essaye de voir quelque chose qui ressemble à un exosquelette. Augmente la vitesse, ok. Ça a pas l'air d'être dedans, écoutez. Ça a pas l'air d'être dedans. Je pense que c'est dans bagarre. La bagarre. Non, ça a pas l'air d'être dedans non plus. Ça, c'est plus des coups critiques. Ça doit être dans résistance. C'est incroyable. Mais non. Mais on ne sait pas, personne, écoutez, personne ne sait où ça peut être. Augmente l'endurance totale de 25, ça on le fera plus tard. Augmente la vitesse et la réactivité de l'esquive. Ça c'est pas mal, mais j'ai pas encore ce réflexe d'appuyer, donc on verra. Augmente les points de vie restitués par la nourriture, ça je prends. On va s'augmenter, écoutez, on va s'augmenter la résistance, hein, comme je vous dis. Hop, on va pas bouger, et ça je le prends. Ça frère. Ok. On en parle de l'exosquelette, d'accord. L'exosquelette a une autonomie limitée. Surveiller les voyants lorsqu'ils clignotent mes couilles. Ok, les points de recharge, ouais, localiser, ouais. D'accord, en fait, ça me dit pas parfait. Du tout. Parfait. Alors, Franck, es-tu assez responsable pour utiliser ça? Ok, on est parti. Donc, c'est la première fois que je suis censé découvrir un putain d'exosquelette. Donc, on met des patates. On va pas perdre plus de temps que ça. Faut que je fasse quoi, là? Nettoyer la caserne? Bah si, bon, bah écoutez, on va perdre du temps. C'est Bibi qui régale. C'est cadeau. Oh la vache, c'est des néons. Hop, dégagez-moi de là. Ah, les néo-zombies, c'est terrible. Ok. Ça, c'est cool, ça. Il y a de l'argent. Je vais pouvoir m'acheter une moustache plus épaisse, peut-être. Oh là, alors, les néo-zombies, faut réellement... Ça fait 3 épisodes, j'en parle, mais faut que j'aille lire leur histoire. J'ai envoyé une chaise, valdingué. Qu'est-ce qui se passe? Je suis énervé, ça se voit ou pas? Ok, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu casses. Allez, dégage. Eh, ça va. Ah ouais, tu te relèves. Ah ouais. Parfait. Et là? C'était censé être un point de repli pour les troupes d'Obscurus. Alors, qui a amené tous ces zombies? Ok. Fouiller la caserne. Bon, bah maintenant, on va fouiller, bien évidemment. Enquête commencée. Laisse traîner des affaires partout. Bon, là, donc, nouvelle enquête. Alors, par contre, si on va passer 4 heures sur la bonne photo, je vous cache pas qu'on va passer les passages terribles. Ah, ah. Oh. Oh ouais. Déjà une, c'est plutôt cool. Il n'y a pas eu de cut, je vous le promets. D'après ça, plus de 100 soldats ont péri en chassant cette chose. Putain. D'accord. C'est pas terminé. Oncle Jackie, ce n'est pas fini. Maintenant, on va passer sur des trucs... Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tapis de yoga, c'est génial. Je peux pas me mettre en pompier? J'ai envie de me faire un kiff. Si, je pense qu'on va pouvoir se mettre en pompier juste après les mecs, c'est pas un problème. Ok. Qu'est-ce que je dois photographier? Bon, bah là, mon exosquelette, elle va terminer, les mecs. RT. Un petit peu, c'est terrible. Ouais. Attends, c'est peut-être le moment pour moi de devenir pompier. Et ça, c'est incroyable! Je dis oui! Alors, c'est parti! Donc, bottes de pompier. Je mets. Plutôt classe. Pantalon et veste de pompier. Je mets.
Parce que c'est classe. Et puis voilà. Pas le casque. Oh, si, le casque. Eh, vous savez quoi? On reste dans le thème. Je vous ai dit, chaque épisode, on change. Tant qu'on voit ma moustache, c'est plutôt cool. Ok, tiens. J'ai une nouvelle photo à prendre. C'est plutôt cool, ça. Donc, c'est parti, mon petit pote. Boum. Et de deux. Et comme une mouche entoilée. La mairie, l'appartement du drugstore, la caserne de pompiers. C'est quoi ce bruit? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merde! Mauvais angle! Non. Ok, on est bon. Comme une mouche entoilée. Ah, mais c'est quoi ce rituel terrible? La figure et la pendula. Ok, j'ai monté là-dessus. Il faut que j'aille à la casse. Quoi que soit cette chose, elle a une sérieuse dent contre Obscurus. Oh, mais c'est terrible! Fouiller la caserne, c'est fait! Entrez dans la décharge! Je dois partir de la caserne maintenant! C'est terrible! Et il y a des gens qui ont cassé des choses! Oh, tiens, quelqu'un qui se fait violer. L'appel du viol. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, est-ce que je peux passer par là? Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas passer par là. Donc, je suppose que ça a dû se déverrouiller sur la droite. On va y aller de ce pas, n'est-ce pas? Oui, voilà. Ça a forcément dû se déverrouiller. Hop, voilà. Moi, j'ouvre les portes, je suis un rebelle, moi, mon pote. Moi, quand j'ouvre une porte, je rigole zéro. Hop, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Bon, c'est bien dommage que j'ai pu... Quoi? Wouah! Un hélicoptère? On y va! L'appel de l'hélico, les amis! Oh, ça va être terrible encore ce qui va se passer. Vous savez qu'à chaque fois que je dis ça va être terrible, ça va être terrible. Les gars, vous savez que j'ai pensé la dernière fois... Oh, détruisez l'équipement d'Obscurus. Hop! Dégage! Allez. Allez. Ça dégage. Okay. Ça suffit. Hop, ça dégage. On est bon? Oh, c'était pas si dur! Ok. Ah! Putain, mais qu'il est con! T'es con! Ok, on ouvre. Oh my god! Oh, mais j'ai trop de trucs, c'est terrible. C'est terrible, les amis. Ok, bougez pas. Voilà, place du lance-fusée, je pense. Hein. On va pas. Les gars. Est-ce qu'on va tergiverser? Non! Je vous le dis si souvent, on ne va pas tergiverser. Alors, il faut que je détruise l'équipement. On a comment faire? Hop, pas comme ça. Oh, salut frérot. Ah, très bien. Ah, très bien. Gros, calme-toi, Highlander. Ah, il m'a enculé. Excusez-moi de ces propos violents, mais enfin, c'est un jeu interdit au moins de 18 ans. Ok. Quoi? Attends, on va la refaire parce que là, tu t'es foutu de ma gueule. Attends, ça, c'est chiant. Quoi? Non, mais les gars, c'est terrible. Ok. Ah, ça c'est chiant. Quand ça se passe comme ça. Quand ça se passe jamais quand tu veux. Comme tu veux, pardon. C'est terrible. Eh, bon, on va pas tergiverser. Allez. Bon, ça va, hein, les gars. Ok, équipement d'Obscurus détruit. C'est incroyable. On peut continuer. On peut continuer. Yo, les gars. Je suis juste de passage. Donc, direction la décharge. Direction la décharge. Bon, on avance, hein. On fait bien évidemment les petits événements à gauche, à droite. Ça, c'est plutôt cool aussi. On avance calmement. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant dedans? Pas grand-chose. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Direction la décharge. Ah, d'accord, ça met des petites patates comme ça. Ok, sans aucun putain. Ah, bah, toi, tu es tombé. Cette personne ne tient pas les trottoirs. Alors là, par contre, ça va. Hop, dégagez-moi de là. Les gars, réellement, j'ai rien contre vous. Les gens veulent voir du découpage. Ils m'ont dit, B-Boy, fais-moi une cut. On fait pas de cut. On arrache. Vous êtes prêts? Allez, c'est cadeau. C'est cadeau, je vous régale. Il y a du critique. Il y a de la patate sur le sol. Tout ce qu'on aime. Venez comme vous êtes. Oh, super. Super. Le petit véhicule qui tombe à pic pour faire 35 mètres. J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis le mec le plus maudit du monde. Hop, recule pas trop. Ouais, voilà, il est reparti à l'autre de la rue. Ok, direction la décharge. C'est parti. Willamette Impound and... j'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire. Parlez à Paula. Oh, ma soeur. Psst. Ouais. Franck. J'arrive. Oh, fais chier. Paula, j'allais justement t'appeler. Chut, la casse grouille de soldats d'Obscurus. Ouais, je m'apprêtais à... Hé, hey, tu pourrais pas rester ici pour me couvrir? Ouais, entendu. Je couvre vos arrières. Super. Ok, infiltrer la décharge. Bon, Paula, je sens que tu vas être le boulet. Oh, bon, 50 Cent, j'ai changé, j'innove. Non, ça, on reste ça sur Snoop Dogg, les gars. Ça mérite d'écrire quelque chose dessus. Un petit Snoop Dogg, ça fait plaisir. Voilà, comme tu peux le voir, je sais infiltrer une décharge. C'est bon, on a réussi à passer. Incroyable.
Ah putain, oui. Là, on parle de vraie infiltration. Tu l'as vu ? Il y a des briques. Ah non, mais genre, réellement, vous avez mis des phases d'infiltration, les mecs ? Genre, réellement, les mecs ? Il y a des briques réelles ? Hop, dégage. On va pas commencer. On va pas chamailler pour si peu. Par contre, vous faites super mal, les mecs. Ok, prêt. Hop. Et voilà. Un petit coup d'épaule. On trace, on bombarde, on arrache, on n'en parle plus. Trousse médicale, je prends. Des clés, clé de la décharge, je prends, évidemment. Ah, ça tient, ça ouvre ici à droite, les gars. Sugoi. Sûrement un plan. Quelque chose de machiavélique. Très bien, c'est déjà ouvert. Ah, super. Yo. Oh la vache. Attends, pardon, c'est l'excitation. L'excitation fait que je donne des petits coups de... Oh la vache. Je sais pas ce que ça va faire, mais ça va chicoter, les mecs, hein. Il y a des gens qui vont perdre des dents dans l'histoire, hein, je vous le dis, hein. Je regardais s'il y a un plan, mais apparemment, il n'y a pas trop de plan. En tout cas, pas par ici. Yo, frère. Quoi ? Oh, bah, c'est bof, en fait. Oh, c'est pas ouf. Oh, moyen. Oh, déçu, hein. Oh, on sent une part de déception dans cette arme, hein. Allez, hop, ferme-la. T'es là, tu me racontes ta vie avec ton bouclier, j'en ai rien à foutre. Ouais, voilà, c'est mon infiltration à moi, les gars. On est sur Dead Rising. Hop ! Petit saut. Hop ! Hop, petite... Ouais, je brasse l'air au début. C'est pour impressionner l'adversaire. Toujours impressionner l'adversaire, les mecs. Ok, je crois que je suis repéré derrière. Je suis repéré, mais ça, ça m'a intrigué. Tu vois ce que je veux dire ? Là, s'il n'y a pas de plan... Ah ! Dégage. Allez, dégage. Ouais, je disais, là, s'il n'y a pas de plan, je ne comprends pas. Et il n'y a pas de plan. Donc, bah, je ne comprends pas. Ok, on va l'arracher, celui-là. Hop, voilà, toujours brasser un peu l'air. Ça impressionne l'adversaire. Ah, tout de suite, il te regarde d'un autre œil, hein. Ok, c'est parti, on va au fond de cette décharge. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette décharge. Ça doit être incroyable. J'ai été repéré, vraiment. Eh, vraiment. Ok, vous êtes prêts? Go, 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 go. Oh là, oh, c'était beau, ça. Ah, ça, c'est censé one-shot, messieurs. Je suis désolé, c'est censé one-shot, ça. Ok. Direction... Direction la suite de notre incroyable aventure. Il y a des briques. Ok. Vous croyez que je peux passer par là? J'y crois moyen quand même. J'y crois moyen, mais sur un malentendu, on peut s'entendre. On s'est pas entendu, c'est bien dommage. C'est bien dommage, très bien. Messieurs, pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites chercher? C'est terrible. Ok, c'est verrouillé. De toute évidence, ils ne veulent pas que je passe. Je vais devoir trouver une autre solution. Je pense avoir ma solution. Grâce à des années d'entraînement, j'ai appris qu'il y avait une porte à droite. Mais on s'en fout! On va la prendre quand même. J'ai voulu aller par-dessus. Yo! Voilà. Allez, hop, faut taper. Maintenant, faut taper l'ennemi. Parce que là, c'est chiant. Ok, c'est bon. Elle est nulle, hein. Alors, j'ai une arme, elle est vraiment nulle. Mais bon, au final, ma hache était pas. Faut plus. Ah, ça, c'est. Putain, mais c'est censé one-shot, ça! Je commence à me plaindre, monsieur! Oh, c'est chiant! Quand tu fais des petits sauts comme ça, tu vois, tu sens la haine, tu sens l'envie d'arracher le gars. Eh ben, je suis désolé, c'est censé lui couper la tête. Tiens, d'ailleurs, on va utiliser notre arme. Ils m'ont saoulé. Ah, très bien. J'ai utilisé un soin. Écoutez, tout plaisir est pour moi. Hop, tiens, on va utiliser ça. Parce qu'au final... D'accord. Ah, d'accord. Ça fait des petites éjacques. Ça m'arrache. Ça m'arrache, c'est un plaisir. Très bien, j'ai vu comment ça fonctionnait. Excellent, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, une nouvelle trousse de soins. On va le garder. On va le garder, on va l'utiliser un petit peu, là, notre Père Noël. On va l'utiliser un petit peu, on va voir ce qui, toute la capacité qu'il a en lui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bien reçu, bientôt sur place. Bon, soyez brève. Un groupe armé vous a attaqué hier. Deux de vos hommes sont tombés. En effet, un homme et une femme. 10 ans de bon et loyaux service. Je sais tout sur le prochain raid. Je sais combien ils seront, je connais le nom de leur chef. Je sais où ils planquent leurs vivres. Avec ces informations, vous pourriez empêcher un tas de morts inutiles. Que voulez-vous ? 30 minutes, en privé. Mais qu'est-ce que tu fous, Vic ? Commandant,
J'ai surpris ce civil en train de manipuler l'un de nos ordinateurs. Darcy. Enfermez-le, offrez-lui un repas et une douche, il sent le putois. À vos ordres. Alors, mademoiselle Chu, posez vos questions. Lieutenant, elle vient avec nous. Dans quoi t'es en train de te fourrer, Vic? Monsieur West, dommage que vous ne soyez pas aussi utile que votre ami. Descendez-le. Oh merde. Ah. Quoi? Alors comme ça, on vous laissera, c'est l'œil. Quoi? C'est terrible! Du calme! On peut parler, non? Il doit y avoir moyen de s'arranger! Tiens, parle avec ça. Ça fait mal? Ah, putain de... Oh, faut mourir. Vous me faites peur, monsieur. Vous approchez pas. Quoi? Je sais pas ce que... Écoutez les gars, je vous offre un feu d'artifice, c'est un bug, voilà. C'est un bug, quoi? Courez! Us! Oh! Oh, trop stylé! Oh, le meilleur selfie de ma vie, cousin! Oh non, il est stylé quand même. Rendez, Eh, vous êtes pas cool, hein. Bon bah voilà, easy game. Sacré mec. Elle croit pouvoir me voler le scoop en faisant ami-ami avec cet arrêt. Franck, par ici. Alors, les gars, je crois réellement et sincèrement que j'ai encore fait bugger le jeu. Je suis une machine. Le mec, il a pas pu bouger. Il pouvait plus me tirer dessus devant moi. Il était manipulé. Il était nul à chier, le mec. Ok, bon, j'ai tout ce qu'il faut pour refaire un crack au cas où. Donc, ça serait sympa que j'arrive à... J'arrive à trouver un nouvel arc. Oh, un masque de soudure. En tout cas, ma petite moustache pendant les cinématiques, super agréable. Hein. Oh, ça fait plaisir. C'est moi qui vous le dis. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô? D'accord. Hop, yo. Oh, il y a sûrement un plan, hein, quelque part. Hein. Je vais pas fouiller tout précisément, mais voilà. On va quand même... Oh, tenue Mikano. Eh. Stylé, ça. Ça fait un peu porno des années 80. Oh, bonjour, madame. Oh, puis-je voir votre tuyauterie, s'il vous plaît? J'ai ma clé de 16. Ah, en plus, il y a la grande clé. Attendez. J'aimerais bien qu'on parte sur... Parce que, de toute façon, cette arme est nulle à chier. On va partir sur un viol. Ah, je suis un gamin. Oh, bonus aspirant. Qu'est-ce que c'est? Non. D'accord. Il y avait un exosquelette. Je pouvais donc tuer le boss avec un exosquelette. C'est sympa de la prendre maintenant, en tout cas. C'est sympa. Mais en avais-je vraiment besoin? Bien sûr que non. Ok, on est parti. Bonjour, madame. Voulez-vous voir ma clé de 16? Ces ordures ont capturé Darcy. T'as vu de quel côté ils sont partis? Westridge, je crois. Vous allez les pourchasser? Sauver Darcy? Peut-être pas intentionnellement. Ok, je vais essayer de découvrir où ils allaient. Allez-y, je vous appelle quand j'ai du nouveau. D'accord, point de sauvegarde, rendez-vous à Westridge. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien avancé, c'était bien drôle. Oh, il y a un nouveau véhicule de type motorisé là-haut. C'est plutôt cool. Ok, vous savez quoi, on va s'arrêter là parce qu'on est bien positionné. En tout cas, très sympa ce boss. Je pense, à mon avis, je pense beaucoup hein, ces temps-ci. Je pense qu'on est à la fin de l'affaire 2. Si vous voulez mon humble avis. On verra dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, évidemment, le j'aime et le commentaire. Plus il y a de j'aime, mieux c'est, et forcément ça fait aussi plaisir, c'est une satisfaction personnelle, mais que je partage avec vous, hein, évidemment, parce que vous participez à cette satisfaction personnelle. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, on se rapproche toujours de plus en plus de Noël, et ça c'est cool.